Ces 10 têtes de vache à l'abattoir public de Lubumbashi, c'est le don du gouverneur de province à la communauté islamique du Katanga. Et comme à l'accoutumée, et pour permettre aux musulmans de bien clôturer leur période de Ramadan, en partageant les traditionnels repas, Moïse Katumbi a délégué son chargé du social avec 10 têtes de vache et un camion plein de riz, huile, tomates et autres vivres. La fête du Ramadan prend sa signification ou prend plus son sens par le partage. Aujourd'hui, ils vont partager le repas, ils vont penser plus aussi aux pauvres. C'est ainsi que, comme chaque année, l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe n'oublie jamais de penser à la journée comme celle d'aujourd'hui. Al-Hadi Hussein Ngoy, représentant de la communauté islamique du Katanga, trouve des mots justes pour remercier le gouverneur du Katanga. C'est que le gouverneur de province, depuis quelques années, depuis qu'il est à la tête de la province du Katanga, a toujours partagé avec les musulmans. Et la seule façon de partager avec les musulmans, il le fait non seulement de manière quotidienne, mais aussi pendant le mois de Ramadan, parce qu'il sait que la fin du mois de Ramadan, c'est la fin du partage, comme vous venez de le dire, et qu'à défaut d'être avec nous dans toutes les maisons des musulmans, pour partager avec eux ensemble, il fait symboliquement ses dons pour que nous puissions vraiment remettre aux musulmans. Et... Ainsi donc, la fin du Ramadan trouve son sens avec le partage du repas aux pauvres, cela grâce à ses dons du gouverneur Moïse Katumbi Tchapwe.